c'est juste pour constat de parcours. Ce qu'on peut retenir dès maintenant, c'est que ce sont des échanges fructueux. Et les étudiants, que ce soit les étudiants ou les enseignants, les personnes d'encadrement, les délais sont presque les mêmes partout. Les questions d'infrastructure, les questions d'équipement et les questions de formation des formateurs, qui sont les principaux problèmes posés par ces parties durant ces visites que j'ai eues. C'était aussi les mêmes questions lorsque j'étais à Kindia et à Cancan. Monsieur le ministre, vous avez également décliné, disons, le programme que vous voulez au sein du département développer pour apporter de la qualité à l'enseignement supérieur. Peut-on savoir un peu le contenu? Justement, pour avoir de la formation de qualité, il faut répondre à ces exigences-là en termes de formateurs, la qualité des formateurs, la qualité des contenus des programmes. Et d'ailleurs, je vous ai dit que nous sommes en discussion avec le secteur privé d'une part pour pouvoir développer des formations adaptées aux besoins de l'économie et de la société. Mais à l'intérieur même des ministères, du gouvernement, nous discutons avec d'autres ministères comme les télécoms pour voir dans quelle mesure on peut apporter des solutions aux problèmes qui se posent à l'enseignement. Donc il y a aussi les questions d'équipement. Il y a aussi les questions d'infrastructure, parce qu'il faut créer l'environnement nécessaire pour on peut assurer une meilleure éducation. Merci, monsieur. Merci.